Je n'ai pas envie d'adhérer à ça. Si c'est une collection seconde, mais non pas même. Il y a des problèmes. Quand on dit, c'est comme si c'était avant. Si tu ne donnes pas ta tâche. Tu comprends un peu ce que j'ai dit là. Avant, c'est quelque chose. Regarde, avant, nos parents, ils savaient que leurs filles font un travail au champ, après ils vont se marier. Aujourd'hui, quand ils sont venus, ils sont devenus des erreurs. Ils sont combien?
Est-ce que c'est là-bas où on fait la prière? Non, non, c'est là-bas. S'il vous plaît, ceux qui veulent la semaine, ils veulent la prière, là, on peut approcher. On va faire prier autour du corps. Là, il y a fermé. On n'a pas fermé. Donc, si fermé, on va faire la prière. Qui se ferme? Venez, allons faire la prière. Alors, Nous sommes en aventure, il faut qu'on regarde l'état du corps de notre frère qui est là devant nous. Et qu'on regarde le Dieu qui est au ciel, le Dieu que nous pensons, que nous prions chaque jour. Et qu'on revoie nos actes nous-mêmes, parce que le Seigneur est vrai et il est juste. Qu'on regarde notre vie avec notre prochain chaque jour. Qu'on regarde si nous sommes vrais avec notre propre frère qui est à côté de nous. Parce que quand je regarde les moments où je suis là, franchement, je ne suis pas... Mon frère m'a appelé qu'il faut que je prie. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas de force. Et réellement, je n'ai pas de force. Que le Seigneur qui est au ciel, il connaît mon cœur. Et il est vrai, il m'écoute. Que le Seigneur accompagne notre frère au pays et que son corps arrive en paix au Cameroun. Je prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse consoler ses frères et sœurs qu'il a laissés, parce qu'il est le Dieu consolateur. Je prie le Seigneur parce que lui seul connaît qu'est-ce qu'il pouvait apporter à ses frères et à ses sœurs et à ses parents, et que le Seigneur puisse compenser ce trou-là aujourd'hui. Je le demande comme une grâce, je le demande comme une faveur. Père éternel, voici mes frères ici présents. Je te prie, Seigneur, afin que tu puisses toucher le cœur de chacun de mes frères et sœurs ici présents, afin que tous puissent te connaître, afin que tous puissent vivre réellement qui tu es. Je te le demande comme une grâce, je te le demande comme une faveur. Père, viens et fais-le dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Chers frères, je vais profiter de cette occasion pour dire deux mots. Je pense que, comme l'a dit notre frère aussi, lors de sa prière, les mots lui manquaient pour faire vraiment cette prière, pour accompagner notre frère. Alors moi, je vais profiter une fois de plus devant ce corps pour sensibiliser les uns et les autres. Alors, la mort, c'est quelque chose qui nous guette. On ne sait pas quand la mort peut nous frapper, comment, ni où cette mort peut nous frapper. Alors, face aujourd'hui à ce corps que nous sommes en train de rendre hommage, nous devons nous interroger. Nous devons nous demander pourquoi je vais haïr mon frère qui est ici avec moi. Pourquoi je vais me lancer dans une guerre de haine avec mon frère qui est ici avec moi. Est-ce que cela est nécessaire? Point d'interrogation. Nous devons comprendre qu'il nous faut changer, nous qui sommes restés aujourd'hui,
nous que le bon Dieu a fait le privilège de continuer à voir le jour aujourd'hui, nous que le bon Dieu a fait le privilège d'avoir ce souffle de vie, nous devons profiter. Parce qu'une fois qu'il nous arrache ce souffle de vie, nous ne sommes plus rien. Nous ne sommes plus rien. Donc alors, ce souffle de vie que nous avons, nous devons profiter afin d'en faire bon usage de notre personne. Nous devons rester solidaires. Nous devons nous entraider. Parce qu'aujourd'hui, nos véritables familles, c'est nous qui sommes ici. Donc nous sommes appelés à nous solidariser. Nous sommes appelés à construire l'amour, la fraternité. Parce que c'est cet amour qui peut au moins apaiser la douleur que nous pouvons ressentir, qui peut nous aider. Alors la haine, la jalousie, les combats de personnes ne peuvent nous amener nulle part. Parce que nous ne sommes que poussière et nous allons partir. Aujourd'hui, notre frère Castor nous a laissé. Nul ici présent ne pouvait connaître, on pouvait se retrouver en ce moment pour rendre cet hommage au frère Castor. Mais voilà, nous nous rendons à l'évidence, nous sommes en train de le faire. Il faudrait qu'en partant d'ici, que sa mort nous interpelle et qu'on essaye vraiment de changer les mentalités. Et je profiterai pour remercier tous ceux qui ont contribué afin que les efforts que nous avons apportés puissent être joints à ceux de la famille. Je remercie toutes ces personnes et je prie en sorte que nous puissions redoubler les efforts pour cultiver cette même solidarité parce qu'elle est importante. Donc, nous ne pouvons que dire adieu à notre frère Castor, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Merci. Je remercie aussi le bon Dieu pour ce moment. Il n'y a jamais pu te voir ici. Jean. Je n'aime pas lui. Il était mal, il était mal dans le corps.
Monsieur, 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 mons